Yes! 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 Le 5 octobre 2018 fut un grand jour, un jour exceptionnel, un jour magnifique, parce que le docteur Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix. Et ça, ça me fait autant plaisir que lorsque je retrouve de l'argent dans ma poche que j'avais oublié. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon héros, mon Avenger préféré, l'Avenger Mukwege. Donc ce monsieur est un gynécologue qui a fait ses études au Burundi, en France et en Belgique. En 1989, malgré un très bon salaire en France, il a dit « Je me tire !» et il est retourné au Congo dans un petit hôpital. Quelques années plus tard, à cause de la guerre, l'hôpital est détruit. Là, il fuit vers le Kenya. Et quelques temps plus tard, il revient au Congo et il dit « Ah !» Ah, vous voulez jouer au con? Eh ben vous savez quoi? Je vais construire un hôpital ici et je pars à P. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, ils fondent l'hôpital Ponzi, qui est là pour soigner les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles pendant la guerre. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait des années qu'à l'est du Congo, il y a une guerre parce qu'il y a des conflits politiques qui créent des tensions. Non, non, je déconne. Non, en fait, il y a la guerre parce que les multinationales veulent continuer à extraire les sols du Congo. Eh ben tu vois, cette région, il y a beaucoup de conflits. Eh ben son hôpital à lui, il est là. Et grâce à cet hôpital, il a déjà pu soigner 50 000 personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Et tout ça, évidemment, gratuitement. Faut savoir que dans cette région du Congo, le viol est utilisé comme arme de guerre. Et le truc qui est dingue, c'est que si tu prends une carte, ben tous les endroits où il y a eu des violences sexuelles, ce sont des endroits qui ne sont jamais très loin des ressources naturelles, comme le coltan, l'or, etc. Et comme dit le docteur Mukwege, détruire une femme, c'est détruire une communauté. Il répare les femmes physiquement, c'est vrai, mais aussi et surtout, il répare les femmes mentalement. Et là, tu vas me dire, ah oui, je vois, donc après l'opération, il parle quelques minutes avec elles, histoire de les rassurer. Non, le mec, il a pas le temps, il est dans le futur. Il a construit un centre qui s'appelle la Cité de la Joie, et toutes les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, il les soigne, et pendant plusieurs mois, il fait en sorte que ces femmes-là deviennent des leaders, deviennent des voix, deviennent des références, pour qu'elles puissent redonner espoir à toutes les femmes qui souffrent. Je sais pas si t'imagines, des femmes qui ont subi les pires choses, qui ne voulait même plus vivre, il a réussi à en faire des leaders. Et c'est pas tout. Le mec, quand il a appris qu'il était prix Nobel de la paix, le mec, il était au bloc en train de sauver une femme. Oui, allô? Oui, prix la paix. Ok, ça va. Ouais, mais je suis un peu occupé là, je vous rappelle, ça va? Vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est un Avenger? Moi, quand je serai grand, je vais pas devenir médecin ou astronaute, non. Je veux devenir Mukwege. Moi, dans la chambre de mes enfants, rien à foutre, il y aura des posters du docteur Mukwege. Et malgré ça, malgré son prix Nobel de la paix, malgré cette reconnaissance internationale, y a personne qui bouge pour ce qui se passe au Congo. Quoi, on bouge pas parce que les multinationales auraient trop à perdre? Oups, oups. J'ai pas, pardon, c'est pas moi qui ai dit ça. Il a un charisme, une présence. L'autre jour, il arrive à l'ONU devant tout le monde. Il prend le micro et il dit... Ça marche? Ok. Vous savez tout ce qui se passe au Congo, mais vous ne faites rien parce que vous êtes que des lâches et que des merdes. Merci. Là, il rentre chez lui, il voit ses filles et ses nièces kidnappées, il arrive à les libérer, il retourne encore au Congo, l'air de dire « je t'emmerde, je reviens ». Là, il est victime d'une tentative d'attentat, il va se réfugier quelques mois en Belgique, et là, il revient au Congo plus déterminé qu'avant en mode « sur la vie de ma mère, je bouge à quoi maintenant ?» Quelques mois plus tard, après qu'on a kidnappé ses enfants, qu'on a essayé de le tuer, il dit quand même, il faut lutter pacifiquement contre le régime de Kabila, plutôt de croire à des élections qui seront d'office truquées. Ça, c'est du courage, bordel. C'est comme si ta mère, elle te disait, ne touche pas à ce gâteau, c'est pour les invités, et que toi, devant elle, tu manges ce gâteau. Aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui ne le connaissent pas. Il y a plein de gens qui ont découvert ce monsieur lorsqu'il a eu son prix Nobel. Donc, je vais vous demander un truc. Partagez cette vidéo, relayez cette information. Tout le monde doit connaître ce monsieur. Ce monsieur, c'est notre Superman en vrai. C'est un héros. Donc les amis, je compte sur vous. Faites connaître le docteur Mukwege à tout le monde. Et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous, c'était Abdel. N'oubliez pas de vous abonner. Et rendez-vous à la semaine prochaine. Peace.